Voilà, les amis internautes, tout fan de déposer. Et là, nous exactement dans le terminal Vareux. Et normalement, et nous-mêmes, nous permettons de vivre comment et bien ça lui-même lié. Et parce que la distribution de gaz à lui-même, malgré qu'il y a fait, toujours gagné, et bien, ratement gaz. Et bien, nous-mêmes, en temps de déposer, nous faisons coup de pied. Et dans le terminal, là, nous permettons de vivre plusieurs camions qui déjà sont venus prendre gaz à un moment et pour aller distribuer. Est-ce que les prochains jours, pas gagner et ratement gaz? Bon, jusqu'à présent, nous là, nous sommes avec Zeker. Et il y a pas plus de détails concernant eh bien, ça. Ça, c'est le nouveau site que nous avons construit. Ok. Nous allons regarder au début. Ok. Voilà, et nous toujours en Vareux, hein, et nous permettons de vivre comment ça lui est. Et je crois constater là, ils ont mis tant de causes, et c'est des nouveaux citernes qu'a construit là pour Gaza. Et lui-même, c'est comme ça, et nous permettons de vivre comment ça lui est. En Vareux, hein, là, ça c'est des nouveaux citernes. Ok, et nous continuons à avancer pour vous-même, amis internautes. Et pour nous faire vivre comment, et bien ça lui-même lié, nous dans le terminal Vareux là, et n'a pas permis de vivre comment, ça lui-même lié. Voilà. Là. Nous connaissons nous-mêmes tant de causes. Et nous toujours là pour nous informer. Ou même qui déjà la caillou, ou même qui a suivi ensemble avec nous là. Et là, nous avons terminal Vareux là. Ça, c'est des nouveaux citernes qui a construit là. Pour nous capables de mettre gaz et bien et pour nous capables de distribuer. Et les gens que nous avons constaté là, les amis internautes. Nous là, on a actionné ensemble avec vous. Nous allons tout vivre comment ça a l'air. Il est énormément à parler là. Vous voulez donner monsieur ça à tout? Hein? Antoine, monsieur, venez. Explication sur ce qu'on a construit là, c'est nous avons trois citernes qui ont construit. Nous avons des citernes de 4 millions de gallons chaque. Et c'est pour stockage additionnel terminal là, en prévision que le marché a augmenté. Donc le terminal là font investissement pour stocker du gaz. Et les citernes ont commencé à construire à peu près 8 mois. Et il y a fini construction d'ici juin 2022. Il a fini construction. Quand tu appelles mon de combien? C'est des systèmes de 4 millions de gallons chaque. 4 millions de gallons. Ok. Alors là, il y a 3 réservoirs là qui en construction. Oui, 3 réservoirs qui en construction. On va le montrer, nous allons garder un dans pour nous rendre dans Ok, d'accord. Okay. Voilà. Nous avons entré, nous avons entré. Oui. C'est la couper. Alors, tout est là, c'est nous, ils construisent dans le même pays. Même genre. C'est comme ça qu'ils construisent, ils construisent selon le standard américain qui est le API, API 650, son standard américain. Et nous avons des soudeurs haïtiens qui sont formés avec un certificat pour faire soudure spécial. Et donc,
Donc nous suivons un standard américain pour construction. Ok. Mais est-ce qu'il y a un film qui a bien ça? Oui, son film construction, son film haïtienne, et qui est l'Ecoma, qui construit l'autre citane que nous avons, et qui a continué à construire citane ça pour nous. Ingénieur haïtien ou dominicain, canadien, c'est que nous? Non, tout le monde qui travaille dans le film ça, c'est des haïtiens. Et il est obligé de faire passer des tests de certification pour soudure, soudeur. On va regarder au cas peut-être par contre si quelqu'un employé là m'a montré eux, à parler avec eux. Mais c'est tout ça haïtien. Et nous t'es tenu à que ce soit haïtien pour que la technologie arrête en Haïti. Ça veut dire que si de faire un film dominicain vient faire travail là, le film fait travail là, il y a aller, pas qu'un autre monde qui compte pour faire ce temps. Donc l'idée ça t'est venu, c'est comment? Non, pour augmenter citadine, c'est normal, c'est business. Ça veut dire que le marché haïtien a augmenté chaque jour, la consommation a augmenté. Donc il faut terminer dans le chiffre, dans le stockage. Ok. Mais avec 4 mois de gaz, ça nous connaît souvent et puis après ça, est-ce que les citadines ça va arriver clair vraiment? Bon, ce que j'aime dire là, c'est la prévision. Ça veut dire que les citadines ne doivent pas plein tout de suite. Mais éventuellement, il faut le vencer, il faut le grandir, il faut le continuer, la vie n'a pas continué. Et après, le plein un jour. Toi, c'est un sérieux grand cours. Oui, et bon, son prêt que compagnie a été fait auprès de la Banque interaméricaine de développement et pour construire cet endroit. Est-ce que même compagnie ça va compter à mettre quelque l'autre, donc à des citadins dans l'autre ville province ou c'est pas seulement. Bien, sont très bonnes questions. Oui, et compagnie a des plans. L'Italien fait un terminal en dehors. Et tout ça va dépendre de capacité d'investissement et de financement pour faire construction. Parce que, ouais, c'est des infrastructures. Ou avoir des citadins là, ils vont durer de vie au moins 50 ans. C'est-à-dire que m'a investi, m'a pris ton cob. On a construit un bail qui va faire 50 ans, mais il faut me mettre la banque sous moins que 10 ans, il faut me mettre à payer la banque. Donc il faut comprendre que le financement en Haïti est très difficile. Parce que ça a été financé par une organisation, oui. Non, il est financé par la Banque interaméricaine de développement qui prêtait et compagnie encore pour construire. Ok, est-ce qu'il va réparer aucun lien avec l'État lui-même? Va réparer un lien avec l'État du tout. Le seul lien avec l'État, c'est que il y a douanier sous place, parce que tout produit, j'aime dire, le produit, c'est sous douane. L'on entre en Haïti, c'est sous douane, et il est sous contrôle de la douane. Ok. Pas trop loin, non? Pas trop loin. Hé! J'en ouais, toi là, il a, toi là, pas le peinture. Okay. Bon peinture spécial qui va le couvrir tout le net. Okay. Et ou pas même qu'à ouais, toi là, et produire justement pour que par interaction entre métal là avec produire. Mon ne connaît pas fort les acheter gaz dans telle pompe de grande qualité. Il acheter dans l'autre pompe, nous pas besoin non mais non pompe, yo, non, mais gaz à compte différent de chaque pompe. Qui joue un carré comme ça? Bon, moi-même, ce que je veux dire, c'est que nous avons un produit qui entre dans le terminal là avec une qualité. Okay? Le produit en sortie de une qualité. C'est-à-dire que je mets dans un camion, il y a un camion à faire, ça le fait, il fait ça à faire. Même pour dire un terminal là, pas responsable de ça. Même seul, j'ai un contrat avec une compagnie pétrolière pour un produit qui a une certaine qualité. Après ça, je suis responsable de mélanger ou bien barrer avec Gaza. Donc, je ne vais pas prononcer vraiment sur ça. Terminal Bar n'est pas propriété gaz. Il est juste recevoir bateau Gaza, stocker Gaza et le livrer aux compagnies pétrolières qui louent l'espace de terminal. C'est-à-dire que tout gaz qui est dans la cité de Blanca, c'est gaz qui contrôle la douane de Port-au-Prince. Et contrôler
et stock gaz. Il y a un seul bail que nous faisons ici dans le terminal Vareux, c'est assurer une réception de produits dans le terminal et puis charger le camion que nous voulons là pour charger dans le moment. Et puis c'est pour l'instant, c'est ça que nous faisons dans le terminal. Est-ce que nous avons une autre question? Nous connaissons une crise de gaz dans le pays. Il y a quelques temps là et nous commençons à travailler dans le terminal là, de gaz. Mais nous remarquons que beaucoup de travail de gaz et 100% de gaz, tout le gaz, tout ça capable de la situation. Bon, et premier pas qui s'arrive, c'est que nous, le terminal a été bloqué depuis le 17 octobre. Nous faisons pratiquement un mois pour ne pas faire livraison. Et le calcul est fait un mois sans livraison, ça veut dire 1 000 000 gallons de produits qui va sortir dans la journée. Donc, pour rattraper le volume, ça, il est un petit temps. Donc là, je suppose que moi, il est mieux déjà dans la rue. Bon, il est mieux. On est en grand station, mais moi, je souffre. L'homme besoin de chercher ce bagage dans la station, c'est un problème. Mais je suppose que chaque jour, on va continuer de livrer quand on va livrer. Parce que nous postons sur le site et les réseaux sociaux. Et quand c'est que nous livrons chaque jour, nous avons vu que le terminal travaille à plein rendement pour satisfaire le marché. Est-ce que y a assez et dans le prochain jour, comme vous dites, c'est normal pour nous engager à l'aise dans la station de gaz? Oui, il y a assez. Nous avons reçu un bateau lundi dernier qui était porté 185 000 barils de diesel. Et quand l'autre bateau qui a privé là, qui a supposé accoster demain, bien dimanche. Et qui c'est qui pote gasoline, il pote 250 000 barils de gasoline. Donc, il y a un produit pour alimenter le marché. Mais est-ce que vous pensez que dans le jour où vous venez là, et la population elle-même n'a pas de problème de gaz? Bon, c'est ça que je souhaitais. Je souhaitais que pas de problème de gaz. Parce que le problème de gaz est difficile. Nous perdons un pile dans la station, nous avons le gaz. Pour aller chercher le gaz, nous avons une à l'autre, nous avons espéré que nous avons résolu le problème. Il y a annoncé que le gaz là monte à l'échelle internationale et pas bon ici. Comment ça arrive? Bon, je ne sais pas qu'on est pour faire depuis le gaz, jamais je ne sais pas pourquoi il y a gaz, je ne sais pas comment ça si le gaz va monter, c'est pas bon. Est-ce que Winneco, c'est seulement un gaz ou bien seulement un gaz? Non, Winneco, pour l'instant, c'est pas presque le fait stockage de gaz. Non, pas de l'autre barre. Ok, directeur, et la prochaine fois que nous venons là, nous avons annoncé une quantité de gaz qui est venue le samedi, parce que le vendredi, la distribution a été faite. Nous avons annoncé le vendredi, mais qui quantité qui est venue. Et nous avons dit nous là encore, lundi, il va parler de gaz qui est venu. Mais nous remarquons, malgré tout le gaz qui est venu, il y a un ratement. Mais c'est ce qui est à la base, ratement ça. Bon, je ne vais pas expliquer ce qui est à la base de ratement, parce que les produits sortent chaque jour, nous avons une quantité de camions qui sont là, nous avons physiquement à genoux. Camion a chargé, donc pour du sorti. Côté là, je ne suis pas responsable de qui côté gaz aller. C'est la compagnie pétrolière qui dit oui, camion dans telle station, dans telle station, dans telle station. Moi-même, juste plein camion pour eux, c'est sa responsabilité. Je m'assure que mon terminal est ouvert pour que nous puissions charger le camion chaque jour. Station d'essence, nous, est-ce que ces machines ne vont pas venir encore ou bien est-ce que c'est le problème? Et pas, sincèrement, pas vraiment que c'est le problème. Parce que Jean-Noël là, nous faisons plus de camions qui changent dans la voie et nous avons la caméra. Et sous bord, là, c'est le camion déjà chargé. Captain Boubati. Pas vraiment que ça vient du. Mais le camion, ça va être propre pour le bas ou bien privé? Et, ça n'a pas revenu à moi-même. Okay. Mais il y a un cal dans la pompe, il y a un industrie, il y a un cal dans le commerce, il y a un cal pour EDH, il y a un cal. Il y a de tous côtés. En tant que directeur, l'atmosphère gaz, vous êtes quoi pour vous cacher derrière? Pas quoi pour me cacher des l'atmosphère gaz. Seul ça nous connaît que des l'atmosphère gaz que nous avons vu, que nous avons vu dans la démocratie pendant quelques mois. Mais après, ça n'a pas de. Nous faisons un mois fermé, mais chaque jour terminal la fermé, c'est moi et que le baguette, employé mieux pas qu'à toucher, pas qu'à travailler.
So, moi, j'ai intérêt pour me sortir gaz là parce que c'est de sa business. Ça veut dire que si gaz là va sortir, pas de revenu. J'ai une information sur le fait qu'il y a tout été fait et Varie lui-même il a bah, plusieurs millions de gouttes pour gaz lui-même qui a quitté Varie pour ce pays. Qui sont carrés pour nous? Ça, c'est pas vrai du tout. Il va pas tirer un balle dans le pied et pour ça, il a bloqué des prix. Parce que lui vivent de Gaza. Nous voulons parler de millions pour nos pays chefs et bandits pour les bandits qui ont quitté Gaza. Non, nous ne sommes pas entrés dans la logique. Ça. Nous ne pas travailler dans la logique. Ça, nous pas travailler dans la logique. Message pour la population. Bon, et j'espère que, même si je me dis dernière fois que je parle, et que bah, il n'y a pas amélioré. Et, parce que si pas Gaza va sortir, personne ne va travailler. On a perdu une sensation, on a perdu une poumé une à l'autre. Ce n'est pas normal. Et donc, j'espère que dans le jour qui vient, il va aller mieux pour que nous avancions. Parce que comme pays, il faut avancer, nous ne pouvons pas arrêter Chita. Pour avoir les employés qui ne sont pas touchés, mais malgré ne sont pas touchés, est-ce qu'ils viennent travailler? L'homme dit que l'employé ne sont pas touchés, c'est-à-dire que si je ne pas travailler, il y a des difficultés pour ne pas payer l'employé. L'employé est toujours sous poche. Dès que je travaille, je suis touché normalement. Donc, pas de problème pour ça. L'employé nous fait face à un pile danger. Donc, il y a des bloqués, il y a des sévignes là, il y a des tirés, il y a des gilets à balles sur eux pour monter sur la poste de chargement. Et il y a un employé qui est vraiment dévoué. Et sans eux, pas déterminant. Pendant que tirer ça, pas d'employé qui est victime sur le sentier? Non, nous pas gen, heureusement, nous n'avons pas d'employé victime. Mais dans l'année passée, dans Balma, on tombe dans le terminal, il y a trois employés qui sont dans Balma. Mais Balma, on tombe toujours. Quand je suis là dans la cour, avant de passer à l'occupation dans le terminal, je suis victime de balles qui sont bien sûr. Mais à part de ça, dernièrement, pas de gain. Mais est-ce que vous garantissez la sécurité employée ou pour nous là? Bon, je garantis que je travaille, que l'employé est en sécurité, mais on balle du dans l'air, je ne garantis pas. Ok, ok. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. Il y a des camions, des gros camions, qui doivent avoir des plus de production parce que il y a des stylos, des plus de camions.